Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter le sac à dos tactique ACM. Donc modèle Medular Medium Assault Pack. Donc je vais vous montrer un peu tout comment ça marche, tout qu'est-ce qu'il y a dessus. Je vais faire un peu le tour avant de vous montrer les poches, la contenance et tout ce qui va avec. Alors, donc attendez. Hop, voilà. Alors, ce sac qui a une contenance de 15 litres. Donc, le premier point, les sangles. Je me mets bien dans le cadre. Voilà. Donc, les sangles, toutes les sangles ici sont parfaitement ajustables. Donc, avec tous les œilletons qu'il y a là, qu'il y a ici en bas. Toutes les sangles sont parfaitement ajustables. Il y a deux sangles en plus. Donc une au milieu ici qui permet de le serrer, de le fermer au niveau de la poitrine. Celle-là est amovible et réglable. Et une autre donc ici qui permet de serrer au niveau de la ceinture. Pareil, amovible et réglable. Donc tout ça c'est bien foutu. Je précise direct, il est disponible, donc là c'est la version camouflage digital, mais il est disponible en noir, en tan, en kaki, en woodland, en pas mal de coloris différents. Donc là sur le dessus, on a plusieurs systèmes de sangles, là qui se clipent et là qui ne font que se resserrer pour maintenir la forme du sac. Donc, ça assez bien foutu aussi. Beaucoup de, comme vous voyez, de bandes molles pour rajouter des poches. Donc il y en a ici, il y en a ici, il y en a sur le côté ici et ici aussi. Donc vous voyez, vraiment très modulable. On va s'intéresser maintenant aux poches. Donc on a une première poche. Enfin, je vais commencer moi personnellement par celle-là. Donc, dans le dos du sac, il y a un scratch et vous avez une grande poche. Là, je pense, faut pas y mettre trop des gros trucs parce que sinon, ça va vous gêner dans le dos. Donc, pour mettre des fois des papiers, une carte, pas des choses trop épaisses à mon avis. Donc, celle-ci se ferme par scratch. Ensuite, sur le devant, donc on déclipse cette partie-là. Ça, pareil, toute l'assemble-là, on peut l'enlever. On a une première poche ici, donc qui se ferme à zip, donc une petite poche toute simple, avec là des petites poches en plus avec porte-crayon ou pour mettre un couteau. Voilà. Hop. Tous les zips, là, comme vous voyez, sont équipés de petits morceaux de paracorde pour pouvoir les attraper et les faire glisser facilement. Ça, c'est un très bon point. Donc, on a ici. Ensuite, une autre petite poche, donc celle-là qui est vraiment toute petite, bon, qui suffit amplement là pour y mettre une grenade, un fumigène, une radio, un portefeuille, voilà, kit médical, etc., etc., etc. Donc, ensuite, la poche moyenne, donc la poche là qui est devant. Donc pareil, une grande poche, comme vous voyez, très profonde. Je ne sais pas si j'ai précisé, mais il a 15 litres de contenance. Au cas où, moi, ça sera dit plutôt mieux vaut deux fois que pas du tout. Donc, cette grande poche qui peut, avec quatre petites poches en plus, donc vous voyez deux poches ici, fait en filet et enfin une grande poche derrière. Donc, vraiment, il y a trop de poches là-dedans. Il y a trop de poches, on pourrait chier dedans. Bref. Ensuite, la grande poche à l'arrière, ça c'est là qui est la plus intéressante. Donc pareil, une poche vraiment, vraiment super grande qui peut accueillir pas mal de bazar. Avec une petite pochette zippée, là pareil pour mettre des documents, portefeuille. Le plus intéressant ici, vous avez deux petits clips là. Pour verrouiller quelque chose, par exemple, moi la poche, là c'est l'utilité que je vois le mieux pour cette poche, c'est pour y mettre un water bag. Parce que au sommet là du en fait au sommet du sac vous avez la anse, vous voyez, il y a une anse. En dessous vous avez un petit morceau de bande élastique. Et en fait, depuis l'intérieur du sac, il y a un trou. Vous voyez, mon doigt qui ressort là. Je sais pas si je suis dedans, voilà.
Et donc là, c'est pour faire passer le tuyau, par exemple, d'un waterbag. Ou le... Je suis coincé. Le câble d'une radio, bien sûr, si vous avez le push and talk. Donc vous mettez la radio ici et vous faites sortir le câble. Ça peut être une idée. Ou sinon, vraiment, oui, le waterbag fixé. Mais ici, en général, ils ont certains waterbags ont des systèmes pour pouvoir justement les accrocher avec ces pochettes-là, avec ces clips, et donc faire ressortir le trou par là. Après, vous avez juste à le faire passer par-dessus l'épaule. Et c'est parfait. Donc voilà. Donc, il y a un accessoire vraiment sympathique, fabriqué tout en nylon. Donc, le nylon qui assure quand même une certaine solidité au produit, j'ai envie de dire. Que vous dire de plus? Donc, je vous ai dit les coloris dans lesquels il était dispo. Toutes les sangles ici sont vraiment renforcées, sont vraiment. Comment dire? Enfin, sont vraiment confortables. Je l'ai essayé, je l'ai chargé un peu, je l'ai essayé. Au niveau du dos, pareil, là, c'est assez souple, c'est un peu de la mousse. Donc, il est vraiment très confortable. Il tient très bien. Une fois réglé, donc vous fermez les deux sangles, celle-là et celle-là, ça bouge plus. Ça bouge vraiment plus. Donc, un article vraiment sympathique qui a quand même de la contenance. Je vous dis 15 litres en forçant bien. Il y a de quoi mettre un sacré paquet de merdier dedans. Donc, voilà. Donc, le sac de chez ACM. Il y en a plusieurs modèles différents, des plus petits, des plus gros. Des modulables ou moins modulables, certains qui sont vraiment couverts de bandes molles comme ça, il y en a partout. Mais celui-là est vraiment sympathique. Et il est disponible au prix de sur Taiwan Gun, on l'a acheté sur Taiwan Gun, il est à 18,90 €. Donc c'est vraiment peu cher pour un article comme ça. On verra dans la durée s'il tient bien, mais il n'y a pas de raison qu'il ne tienne pas. Et donc voilà. La présentation de ce sac est terminée. Donc, je continuerai de toute façon de vous faire des petits accessoires comme ça. D'ici là, n'oubliez pas d'aller aimer la page Facebook pour les projets à venir. Ce sera vraiment très important. Ensuite, bah, si vous avez apprécié ma vidéo, un petit commentaire, un pouce bleu et un abonnement. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis salut, salut, à la prochaine. Airsoftez bien.